Matondo mingi pona fidélité oyo bokabeli biso mukolo mwalelo sur Congo Live Télévision. Les dames et messieurs Bitumba de l'Est de la République démocratique du Congo, l'état tozoloba Bitumba imoko ya makasi et sisité et bandi lelo na kati ya territoire ya Lubero. Ba jeune résistant wazalendo balobi c'est assez. Makambo ba rebelle du 23 bazo sala bango balembi et qui sont décidés de faire la guerre une fois pour toutes. Vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe réellement sur les lignes de front, des images. Il y a Bisika Oyo, Bazali, Bazotin de la Bisso déjà, tout calculé qui est technique, Nabisso, Bakoti, Nabisso, bah, image, il y a illustration, Oyo, il y a Makambo, Ezo, Sale, Makuna, Ngonga, Oyo, Toyali, Kolobela, Likamboyo, Bitumba, dans les territoires de Lubero. La rébellion du M23 vient de réagir, Bakomi Mukanda, Balobinini. Sur les lignes de front, ça chauffe. L'état qui est toujours là-bas, ngai nayo. Alors, connectez-vous, partagez la vidéo, commentez nayo et zangate. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore réalisé. Et que boyoka boni likambo ezali. Bozali kolanda biso lelo dimanche, bozali na espace Kasai. Tolobi, toi ça qui dit là, boalou la matoulouen nous, ku télévision ou tout Congo live. Toi, ça qui dit là, Boakou Sungula, Boakou Manya, Maloua, merci de nous choisir aujourd'hui encore pour vous informer. Nous vous disons merci. À santé, Kouba téléspectateurs, Yote à Congo Live Télévision, Bikona Tufata, Kou Espace Kivu, Bikona Fata, Maneno Yote, Kona Petika Nakule Kivu, Tunasema à santé, Kwa fidélité, Yenu. Qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Lubero aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Lubero, Léo? Kukonapita nini. Après troisième assise, il y a le ministre affaires étrangères, il y a Rwanda, na ya RDC. À l'issue de cette rencontre, il y a eu rien comme compromis. Il y a eu rien comme entendement, c'est-à-dire entre les deux parties, à l'issue de cette rencontre, il y a eu rien comme résultat. Ba divergence ndenge na ndenge, parti Oyo et lobby boy, parti Oyo et lobby boy. Mika Katano, Katina Bango. On revient sur les lignes de front, Totuli Bawazalendo, Skobino Bozota la Nini, Likolo ya Likambo Oyo, Ezo Salema. Bino Bozolo ba Nini, Likolo ya Makambo Oyo, ba M23 Bazo Sala. Bazo attaque Bino, Bino Botikali Kimia, Bazo Bouaka ba bombe, na ba position na Bino, Bino Botikali Kimia. Sous prétexte que Bozali qu'on respecte, c'est le fait. Est-ce que vous allez continuer comme ça ou bien vous allez en dégainer? Bah, village de Zokwea, Bino Langambona Bino, Bozali Kolobanini, Likolo, Yamasolo Wana. Les gens résistants aux Azalendo Balobi, tout patienté, tout mona, Nini Yakosa la résolution, Ya Assise Oyo, Bazo Sala, na Luanda. Mais Alicia a assise et écoute Anike, réponse à Damorote et Bimi. Alors, Bazalaki Kofanda, c'était depuis 8 heures. Yalilo, Balobite, Tokosala Nengenin, Bisoba Wazalendo, Tolingito Bunda, nous sommes fatigués na Rosela. Le temps que Bazali Kosala, ba concertation Katsna Bango, et c'est comme ça que les rebelles du M23 vont commencer encore à larguer des bombes sur les positions. Ni de FRDC, ni de Wazalendo. Et les Wazalendo disent, ça on ne peut pas accepter. Toko ki kondima elo koyote. Cette fois-ci, nous ouvrons les fronts et nous ne voulons plus que Batouba Pekisabiso. Balobi na bango ke. Likambo oyo ezali koleka bango bakondimate, quel que soit makambo oyo ekosalema, mais bango bakondimate, likambo oyo e continue dans le sens. Possibilité à kojoindre bango seulement que tolingaki to joindre bango, tozo bango na téléphone pour qu'il nous explique ce qui s'est passé réellement ce matin avant que se dire affrontement de bits entre eux et les rebelles du M23. Mais le problème à Bisika Bazali, c'est la connexion, c'est la perturbée. Mais l'obito, l'obikuna, ou bien un temps où vous êtes disponible, la connexion est bien.
Nous pourrions les joindre et toi discuter la bango et longo awa comme ça va expliquer Boni Likambo et Zo Salima de l'autre côté. Affrontement en cours depuis 8h de ce dimanche 25 août 2024 dans le territoire de Lubero. Des sources locales affirment que les M23 RDF ont attaqué les positions des FRDC au Azalendo dans le village de Kikuvo. Les habitants du centre de ce village sont en ce moment sous les lits. Plusieurs sources dans la zone affirment que les jeunes résistants au Azalendo jurent que la victoire cette fois-ci. Ils disent être fatigués de toutes ces mesures prises par le gouvernement congolais qui facilite en outre l'ennemi à avancer. Nous sommes fatigués de ce cessez-le-feu. Nous sommes fatigués des ordres qu'on nous impose. Nous sommes fatigués de toutes choses que le gouvernement essaie de nous faire croire. Cette fois-ci, nous voulons libérer notre terre rien que pour cela. Nous promettons au FRDC que nous n'allons pas observer ce cessez-le-feu. Nous, de notre côté, nous sommes engagés à défendre notre patrie. C'est assez, c'est assez, c'est assez. Les jeunes résistants au Azalendo, nous sommes fatigués et nous devons libérer nos espaces conquis par les rebelles du M23, a déclaré un jeune résistant Muzalendo lorsque nous l'avions eu au téléphone ce matin. Balobi, c'est assez, c'est assez, c'est assez, Balembi. Et les affrontements, ezoyokama na Lubero héros. Ba habita baza sima, baza na se ya ba meto, masasi ezali ko beta ya bien. Que pensez-vous sur ça? Est-ce que ces jeunes, sengeli ba limité, ba respecter ou cesser le fait? Ou bien sengeli FRDC ango pe landa lokolo ya ba jeune wana? Et sengeli FRDC bango pe basala nini? Ba landa lokolo. Balanda lolenge ba jeune wana bayali ko sala musala. Batika ba distraction a cesser le fait parce que le cesser le fait est allé violé par les rebelles et ne sera jamais, jamais accepté par les rebelles. C'est cesser le fait qu'on m'aimait et qu'on menait à ta résolution mon côté. Et face à cela, aujourd'hui, les jeunes résistants aux Azalendo nous n'en gambon à bango. Balobi niette. Nous sommes fatigués, nous nous limitons par là et nous n'allons jamais respecter ce cessez-le-feu. Car, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi profite de ce cessez-le-feu pour avancer, pour piller. L'État depuis cessez-le-feu est banda. Bamboka na bamboka est au coin, dans les territoires de Masisi, Lubero comme Rutshuru, on n'en parlait pas. Et jusqu'à quand cette situation va persister dans ce sens? Depuis une semaine, malgré les cessez-le-feu, la rébellion poursuit les combats et occupe de villages cités. C'est l'ennemi qui profite. Même ces jeunes Muzalendo doivent faire savoir que l'ennemi a profité de cessez-le-feu. Et il y a les alliés qui ont profité. Et Sengeli Batelema, Basala Bitumba, d'une manière proprement dite. Alors, Ezali Bitumba, ou Ezali Koleka, de l'autre côté, jeune résistant au Azalendo, Bosala Bitumba, Bosala Likambo, donnez le meilleur de vous. Espoir et amoka, ou Ezali reposer, que et pas Ebozali. Et à cette occasion, na Robin appelle Isusu, Mokonzi, ou Azotel et la défense. Guy Kabongo Mwadianvita. Respect ba Congolais bazo pesa yo. Considération ba Congolais bazo pesa yo. Ezali ko tinda teke o tika la bisika ozali. Booster encore une fois. Booster makambo. Mokonzi Christian Tiwewe. Bana Congo, bana Est, balingi ba mona yo okende au-delà de là où vous êtes. A moins que. Kotika na ligne ya ba oyo bazo croire que diplomatie et ko faire asseoir Kagame
et lui exiger de retirer ses hommes sur le sol congolais. Kagame a soutenu les impérialistes. Ba oyo baza simanaye. Ba kotika Kagame bazui Museveni. Ba kotika Museveni bazui Mosusu. Pour désinstabiliser la région. Ba tuana baza pena ba tuna bango na kati ya mboka na biso. Ba oyo ba kondi ma jamais que Congo e kende liboso parce que bazo profiter na ba raison mafie. Bazo profiter na désordre oyo za na kati ya mboka. Et que batule le sengeli batele. Mutuna mutuna ministère na sengeli ya yokama. Et voilà donc, les dames et messieurs, la situation actuelle, situation ya lelo, situation ya ero oyo tozo lobela awa, makambo ezoleka na kati ya Kanya Bayonga. Makambo oyo ezoleka na kati ya territoire ya Lubero. Si les rebelles avance jusqu'à Lubero centre. Ceux qui sont rebelles, ils sont en train de se faire parce que wana peza moko ya ba objectif na bango. S'ils arrivent aussi à conquérir le territoire à Lubero, et que ça appelle grave à un moyen où ils ont souffrance sa population déjà augmentée. Aujourd'hui, on a plus de 102 villages et agglomérations sous occupation par les rebelles du M23. Dans un listing mobile. Dans une investigation, dans un listing mobile, il y a un village qui est en Ekweyi. Pour ne pas autant dire que Batouana, Oyo Bazali Kosala Bitumbakuna, Bazaba tu as soutenir, mais Bazaba tu as bête réglementaire. Bazaba tu as corrigé. Les FRDC vont respecter mes îles, vont respecter qui boto ça qui c'est bien bon. Mais niveau haut et bosan en haut les lots, ils allaient vous permettre de les sous-boto ça. Parce que haut et boto ça qui, il y a d'autres mythos à te. Joao Lorenzo, Talabisika, médiation à eux, Komeli. Kagame n'arrive pas à respecter, bah, engagement. Yango Likambo, ils allaient koyokam. Qu'est-ce qui va nous surprendre toujours à ce jour? Ni n'y a qu'à surprendre Bissot. Et ça communiqué Oyo, il y a AFC, il y a Corneille et Nanga. On ne sait pas Nanga peut amis ou nani na katia mboko Oyo. Simple rebelle, on ne sait pas il se prend pour qui. Toyebite, il se prend pour qui. Nanga na ba bandz na e. Il peut amis nani na katia mboko na Bissot. Non, c'est sérieux, ma kambozo sale. Est-ce que c'est sérieux, les kambozo sale? Bah, ça, les communications, moi, on a retenu la bino. Communication, les lobinin. Et mingi, les M23, bah, ça, la communication à Bongo, lorsqu'ils ont reçu des frappes énormes. Mingi, bah, ça, la communication du genre, lorsqu'ils ont été sérieusement corrigés. Ne, bah, ça, la communication, y a bah, genre, wana. Ba lobini na kati ya communication na bango. Communiquer na bango lobini ni. Communiquer à lelo dimanche. Le temps que bitumba ezali ko salim. Bango ba lobini ni, ba makenga ba lobini ni. Les rebelles du M23 chapeautés par Corneille Nanga et sa suite accuse le gouvernement congolais de violer son espace aérien. Les rebelles du M23 accuse le gouvernement congolais de violer son espace aérien. Totanganini Balobi. Nous portons à la connaissance du public qu'un avion du régime de Kinshasa a violé notre espace aérien. Ce matin, dimanche 25 août 2024, cet acte constitue une violation flagrante du cessez-le-feu et une provocation inadmissible. Nous prenons en témoin la communauté nationale et internationale de cet incident grave au gouvernement congolais et à l'I.I. Kosala.
balobi eza violation à cesser les faits. Mais la violation a cessé les faits, le temps qui est bien au monde, nous avons tous cessé les faits. C'est-à-dire, et cause à la, tous ont recoupé ma source dans Bissot. Ma paix, ça Bissot, ma vraie information concernant Bissika avion et les kaki. Et on reviendra vous dire, est-ce qu'avion et ça qui va bombardement sous Kalangonde, Bango Baye, Kofunda, gouvernement congolais? C'est grave. C'est grave. Routure est comme Mboga Mosus. Massis Mboga Mosus. Loubert Mboga Mosus. L'avion du gouvernement congolais a sous la droite et a circulé sur l'espace et à Congo. Ça, c'est grave. Guy Kabongo m'a dit en vite, c'est grave. Ce n'est pas la lire au Sengeli Ozoua. Avec tout ce qu'on a collé, Bemba sur la tête, dans la Likambole Loye. Et Sengeli, Omi Pesa, Makasi, Kole Kabisika Ozali. Deuxième, ma communication à Bongo Bandikolou. Balkanisation est mort et au sale maté. Et au sale maté. J'interpelle tous les Congolais, Nanga y compris. Bien qu'il ait perdu dans Zela Naye. Balkanisation est mort et au sale maté. Jamais. Nous devons hausser les taux sur ça. Toko ligue mboka, toko ligue mboka oyo, bipa ya bakoko na biso na entièreté na ngomu bimba. Mapinga ma ekolo, vous êtes appelé à ne pas respecter ce c'est le fait. Félix Tshisekedi se mêla le temps, bape si yo passe, opportunité. Yango sala bitumba, yango moment, yango ngonga, yango sala bitumba na Rwanda. Le gouvernement congolais a violé l'espace aérien à Bango. Bango Bazawap, en dehors de RDC, un message fort que nous devons capitaliser. On ne sait pas distraction à Batoué, Zobimawap. Mais nous devons capitaliser par information. Boyari Gofan dans la diaspora, Boye Bake. Et Loko Ezo le Kanakati Amboka. On est tous responsables. Ce Seigneur Totiamou, toute telle pression pour qu'il exerce. Mboka e kendete, toko sala yango, on le fera pour l'intérêt à Congo. Ba intérêt à Batou Sima, ba intérêt à Bissoli Bosso. Nous ne refusons pas aussi la voie diplomatique, c'est une bonne voie. Et ça, cela est bien. Mais Bitumba d'abord, Biska Tozali. Bon, on a ba image, comment est-ce que les Wazalendo sont déjà prêts sur des positions, ba fandre ba position. Nyamu nyamu bazo kengela na ba oye bazali liboso na bango bazo sala pe bitumba. Et avec tout ça, il faut encore que tolo banine ba FRDC sengeli ba kita. On laisse d'abord ba propagande to kiti na terrain to récupérer ba village na biso nyoso esi ekwela maboko ya ba rebel ya M23. Mboka Goma tolobela ki yango awa kolobela insécurité na kati ya mboka. Oh, les cambozaliko salema, mboka goma infiltré jusqu'à la moelle épinière. Toko te la mingi dossier wana lobby. On pourra revenir lobby pour parler trop des sujets insécurité à Goma. Des personnes ont été arrêtées, des Rwandais. Pas des personnes, mais des Rwandais ont été arrêtées dans le trafic à minerai. La période d'état de siège. Ah, Wazaki lobby, c'était hier, samedi. État de siège. Bah, Rwandais, bazoko, tandengenin. Il y a des Congolais qui s'infiltrent pour faire des dégâts au Rwanda. Voilà des personnes, oh, et c'est là qui babouma, bango, ah. Infiltration, et ça permis. Mais basala kanini, nabatou, basala qui va infiltration. Bon, bon, bah, exemple, j'ai un peu partout. Boyali amboka papa ya boyaki ko sa ba infiltration en Amérique, une fois on vous récupère nini basala kabango. Et pas ba El Shabab, bazuibino, bobimaki Amérique bokoti e pas musulman. Bazuibino na ba Arabi kuna. Nini basala kabato basala ki ba infiltration. Pour ne pas dire aussi que ba doloté bango. Chose drôle, na kati na bango, il y a aussi même des personnes handicapées.
Tokolobela affaire wana lobby. Laisse qu'on garde ça pour demain na ba téléspectateurs na biso ba fidèles ba kolandela yango lobby sur Congo Live Télévision. Mais sachez que les Wazalendo disent niet Bitumba et Bandi, cette fois-ci, il ne vaut pas reculer. Ils sont déterminés à faire la guerre pour les prix au Ekofuta. Si vous allez maquiller la bango, bah repèse yango. Si vous allez nini au Ekozala, bah repèse yango. Mais pour vivre, la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Le dimanche, Tomati, Potope Sabino, ma information et Sengeli Tope Sabino. Merci pour votre fidélité. Nous vous remercions de nous avoir choisis, de nous accorder votre confiance. J'étais Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo. Pour plus de contacts, Olingo Benganga Ito échangé aux Analisungi, quelque chose de genre, Benganga sur plus 243 993 46 71 93. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Bon dimanche chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités.